Salut tout le monde, c'est Burnak et en tout et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play Ion et je suis en chemin vers le lac de Cliona pour aller parler à... comment elle s'appelle ? Fiera pour qu'elle me donne quelque chose ou quelque chose ou quelque chose, je sais plus. Pourquoi est-ce que je dois aller la parler déjà ? J'ai oublié, attendez. Je vais regarder en attendant. Des voleurs de champignons, un message à l'élim. C'est une quête importante parce qu'elle est en jaune. Ou alors parce qu'elle est du même niveau que moi, je sais pas. Oh, c'est mignon par ici. Oh, c'est une pêcheuse. Enfin, je crois que c'est une fille. C'est un mec? Est-ce que c'est un mec? Et si c'est un mec, je vais me sentir con. Monsieur, vous êtes un mec? Vous êtes un mec. Bien bonjour. Vous êtes une fille. Bonjour à vous, belle journée pour une petite partie de pêche, n'est-ce pas? J'essaie de faire une voix de sa voix là, de stupide. Vous avez l'air inquiet, éclaireur. Qui a-t-il? Est-ce Nabus qui vous envoie? Il va bien? Nabus s'inquiète pour les Elim. Nabus a eu raison de vous faire venir. Les Elim sont si réservés d'habitude, ça ne présage rien de bon. Malheureusement, j'ignore ce qui tracasse Noah. Je ne peux rien vous conseiller. Je ne peux vous conseiller que de vous rendre au village, Dakarios, et de parler au prêtre, un certain Astéros. Hâtez-vous, je vous prie, Bernard. Ayez confiance. Oh putain. Sérieux? Chonk. Ça va, c'est juste à côté de là où je dois aller. La lumière de Dame Ariel soit sur notre rencontre. Magnifique. Puisse les seigneurs de Séraphim guider vos âmes dans toutes vos entreprises. Je n'ai pas de voix pour lui. Vous devez être Burnheart. J'ai entendu parler de vous. Comment est-ce que je peux... Non, comme ça c'est bien. Il paraît que vous êtes un excellent éclaireur. J'ai pas eu trop le temps, je me suis arrêté pendant 6 mois et après j'ai repris donc je sais pas vraiment si j'ai encore les compétences. Bref, j'ai entendu parler de vous, merde. Mon nom est Astéros et je suis le prêtre de ce petit village. Comment puis-je vous aider? Fera m'envoie, de la part de Namus. Ah, vous avez eu raison de venir me voir. Lorsque la forêt de Daminu a des ennuis, c'est souvent Poeta tout entière qui est sur la salette. Salette ou salette, je sais pas, je crois que c'est salette. Salette, ouais salette. Je dois me pencher sur ce problème sans l'ombre d'un doute. Je vais demander son avis à votre capitaine mercenaire. C'est tout? Merci, bon, quand même, l'église et les prêtres sont assez badass quand même pour ce petit village. Non mais excusez-moi, mais ça c'est pas un village quoi, c'est rien, c'est pas un village, c'est pas possible. Bonjour monsieur, ou madame, je sais pas, j'ai pas le temps de voir en fait. Que voulez-vous? Bonjour, défilé de Kikou? Avec une sauce au poivre. Mais qui c'est peut-être? Ah oui, les Kikou, c'est les poulets. Bref. Oh, pardon, Bernard. J'étais perdu dans mes pensées. Je suis Uno, le chef cuisinier du village. Venez me voir si vous souhaitez goûter l'un de mes succulents plats. Remède contre l'insomnie. Une goutte de méon, une pincée de sel, du basilic et deux clous de Oh, Bernard. Qu'est-ce que vous amène? J'ai un défi culinaire pour vous. Jamais je n'avais entendu telle chose à propos des sylphènes des marées. Au moins maintenant, je sais d'où vient cette puanteur. Ce sont des ailes, vous le savez, vous les avez? Namus a raison de demander de l'aide. Curative ou pas, ces choses ont un goût ignoble. Plus qu'à me décider, ces ailes, est-ce que je les presse pour en faire un jus ou est-ce que j'en fais de la soupe parfumée aux herbes, à votre avis? Une soupe, c'est mieux. Loubou déjà, je n'ai plus qu'à ajouter quelques herbes, de légumes, puis de l'aile de sylphène. Bien, portez ceci à Namus en hâte. Si la soupe refroidit, le goût des... Ok. Je vais retourner à la forêt immédiatement. C'est dans ma poche, ça va pas bouger. Alors, je dois vite bouger, je vais beaucoup bouger, moi c'est sûr, elles seront bien chaudes. Ou alors j'en ai partout dans mon pantalon, je sais pas vraiment. Mais dans les deux cas, au moins, ça perdra pas son goût. Pourquoi je viens de chute de FPS? Ça va. Vous inquiétez pas, je garde juste une soupe au frais, ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis juste en train de garder une soupe au frais, pour au frais, plutôt chaud. Ne vous inquiétez pas, je refroidis, j'arrive pas à dire refroidis. Arrête pas de dire refroidis, c'est bien. Mais c'est pas où en fait? Ah, réchauffe. Ne vous inquiétez pas, je reste juste une soupe. Vous posez pas de questions sur ma psychologie et sur ma santé mentale. Je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions, mais bon, c'est pas mal. Allez, faut de la minute, je suis presque. Pas de la physique, si sérieux. D'accord, je débloque par un araignée super magnifique. Vite, il est là. Distance, plus que 20 mètres, plus que 15 mètres, plus de 10 mètres, plus de 20 mètres. Allô? Ne voyez-vous pas que je suis occupé? Difficile à dire pour l'instant, Berg, c'est abject. Par contre, j'ai l'impression d'être un peu plus apaisé. Peut-être que je vais réussir à trouver le sommeil, si bien sûr ce goût infâme veut bien laisser mes papis tranquilles. Merci beaucoup pour votre aide, je l'oublierai pas. De rien. Level up! Est-ce que je peux faire quelque chose avec ce level up? Je ne peux rien faire, oui, non, peut-être. Puis-je faire quelque chose avec mes compétences, par exemple? L'augmenter. C'est pas que je...
Voyez-vous pas que je suis occupé ? Ma journée pour couper du bois. Non, ça j'ai déjà eu. Et attendez une minute, vous partez pour le campement de Melpon, n'est-ce pas ? Vous auriez une minute à m'accorder, s'il vous plaît ? Il y a deux jours, je vais arrêter de faire des voix en fait, parce que c'est vraiment chiant. Le nan m'a demandé de lui préparer un des fortifiants dont j'ai le secret. Il m'a dit d'être épuisé et là, sa force de se tuer à la tâche sous un soleil de plomb. Et voulait quelque chose qui puisse le croquer. Ok, super. Tu veux que je lui donne la pierre ou tonique fortifiant, bref. Je préfère ce fortifiant à base d'herbes rares. Comme c'est un fortifiant extrêmement puissant à ne pas utiliser à la légère, je lui ai dit que ma réserve d'herbes était épuisée. Mais l'Onian, eh bien c'est l'Onian. Il m'a harcelé jusqu'à ce que j'ai accepté de lui en faire dès que je me procurais quelques herbes. D'ailleurs, il n'a pas hésité à mettre la main à la poche de généreuse manière. Espèce de connard. Pour faire court, vous voudriez que j'accueille les herbes, n'est-ce pas? Oh non, j'ai une bien meilleure idée pour l'Onian. Ce dont il n'a vraiment besoin, c'est un peu d'exercice. Alors je lui prépare un fortifiant sensiblement identique à celui qu'il voulait, mais au lieu d'y mettre des herbes habituelles, j'ai incorporé autre chose. Du poison, c'est ça? Tu veux le tuer? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu veux le tuer? Tu es un assassin, tu es un empoisonneur, tu es un alchimiste dangereux. Non, en fait, tu es un bûcheron, c'est pas grave. De la sève d'arbre pour rien vous cacher. Ah d'accord. Ce n'est pas empoisonné. Ou dangereux. D'une quelconque manière, mais eh bien, si vous avez le choix entre boire ceci et perdre la tête, j'ai déjà la trempe sur le baillot. Ok, quoi qu'il en soit, cela ne suffit pas à le réveiller. Je me ponce les deux cordées. C'est quoi ces expressions de merde? Ce que j'aimerais, Bernhard, c'est que vous portiez ce liqueur à l'Onian. J'en étais sûr! Et que vous observiez sa réaction. Acceptez-vous, quoi qu'il vous donne en retour, gardez-le. Alors, excusez-moi, mais il se peut. Excellent, j'aimerais pouvoir être là pour voir sa tête, mais nous savons, vous et moi, que je suis probablement la dernière personne qui aura envie de voir après un coup pareil, ou la première. Mais dans ce cas-là, c'est probablement moi qui n'aurai aucune envie de le voir, ouais, c'est sûr. Avec un peu de chance, l'Onian aura compris qu'il ne faut pas manquer Kiné. Oui, espérons. Mais je suis un connard, moi aussi! Oui, d'accord. Maintenant, filez! Mais excusez-moi, mais il a dit que l'autre l'avait payé. C'est quoi ce racisme? Mais il est fou! Il est fait boire une potion de thé, n'a aucune idée de ce que ça peut faire. C'est quoi ça? Où est-ce qu'ils sont, les anciens dormeurs? Ok, ils sont là. Faut que je joue de la flûte à côté des anciens dormeurs, on va faire ça. Mais c'est un psychopathe, ce mec! Ouais, je joue super bien. Je l'ai pas réveillé là. Non d'accord, je l'ai pas réveillé, je l'ai tué. C'est pas pareil. Ah, il est là-bas. Vite. Ancien dormeur, je dois vous parler. Bonjour. Je dois vous tuer. Vous permettez? Dormez. Oh, plongez dans un sommeil profond. Je suis occupé. À dormir? Ouais, c'est, je vois ça. Dormez. Voilà, je suis un magicien, c'est magnifique. Alors, ça ferme, ok. Disciplines des vampires. Ok, donc. Ok. Il faut des luciférines de l'Empire. Où que je trouve ça? Où que je dois aller? Parce que moi, je suis paumé. C'est quoi ça, Daminu? Salut, Daminu, ça va? Bienvenue. Dites-moi, humain, qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis le seigneur de cette forêt, bien entendu. Il serait sage que vous respectiez cela. Ne m'ennuyez pas avec le problème des humains. Je vous présente mon plus grand respect, seigneur Damnu, et je vous mets ma botte dans la bouche. Bref, c'est pas grave. Oh, c'est pas possible, ça. Les seigneurs, ils se croient trop puissants, hein. Et un briquet, puis c'est réglé, hein. C'est pas possible, ça. Je pourrais pas être un terroriste. Mais je peux tout brûler, merde. T'as le nombre de coupures qu'il va y avoir dans ce bordel. Salutations. Je n'ai pas une voix d'arbre. Salutations, humain. Ah, Bernhard, les voix paniquées des arbres commencent à se calmer. La forêt vous est reconnaissante. Cependant, les Dukaki attaquent toujours en masse. Les anciens font de leur mieux, mais les ennemis sont nombreux. J'ai l'impression d'être enrhumé, mais quoi, sérieux. Je dois encore faire appel à vous. Ils doivent être arrêtés. J'ai vu la ravage. Que puis-je faire Que puis-je pour vous aider? Que puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? D'accord. Okay. L'heure est venue, Bernhard, de prendre les arbres.
D'accord, j'ai dit ça totalement dans le mauvais ordre, c'est pas grave. Vous devez prendre à la zone déboisée. Attends, il parle comme François Hollande là ? Vous devez vous rendre à la zone déboisée. Et vaincre les coupeurs de bois du kaki. Et les bûcherons du kaki. Qui s'y trouvent. Pour le salut de la forêt. Et des élimes. Faites vite. Tiens, on dirait François Hollande qui fait son speech là. Je vous rapporterai leur hache, Noah. C'est magnifique. Excusez-moi, je viens de taper mon bureau avec un crayon. Voilà, magnifique. Qu'est-ce que je dois faire ? Éliminer les coupeurs de bois du kaki et le bûcheron du kaki. Je mets mon micro pas dans le bon sens. Excusez-moi. Et les protecteurs de la forêt. Ok, d'accord. Ok. Où est-ce qu'ils sont ces fameux trucs de l'Empire là ? Bon, je vais les chercher, ensuite je reviens. Enfin, je reviens vers vous. Oh, d'accord. Donc, c'est des l'Empire adultes. T'aurais pas pu me dire plus tôt, espèce de crétin, sérieux. Me dire des l'Empire, des Sylphènes de l'Empire. Sauf que c'est pas des Sylphènes de l'Empire, c'est des putains de l'Empire adultes. C'est pas pareil. Allez, vas-y, crève. Voilà, pour rien faire. Vas-y, juste attaque-moi. Ponge dans ta gueule. Ça se carapille, tu es moche. Crève. Ponge, je sais pas du tout ça, je veux faire ça, mais c'est pas grave. Allez. En fait, surtout que j'ai pas beaucoup de compétences supplémentaires, donc je peux pas faire grand chose en fait. Je vais attendre que ma compétence se recharge et je pourrais faire d'autres en fait. Ça dégage. Donc, où j'en étais ? Ah oui. Donc, excusez-moi pour ces petites coupures. Je suis sûr que vous avez rien remarqué, mais c'est pas grave. Je me souviens quand même. Pourquoi je prends les fragments de carapace ? Sérieux, ça me sert à rien. Dégage, tu sers à rien. Oui. Oh là là, c'est pas possible ça. Chop. Où est-ce que je vais là ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non, il y en a pas d'autres. Où est-ce que je dois aller ? Ouh, j'ai rien dit, il y en a beaucoup là. Oui, ici. Allez, est-ce que je vais crever moi aussi ? Oui, je vais crever, c'est bête. Zut, crotte, c'est quoi ça ? Ça monstre posé des goélands. Non. Fuck, je l'avais tué ! Merde ! Pendant 30 minutes, d'autres personnes pourront vous ressusciter à votre place. Super. Non, merci. Oh non. Oh non.